Message de Julien, supporter de l'USAM. Un match contre Istres, quoi qu'il arrive, ça se gagne et c'est le premier but. Du côté de Istres, on a décidé de s'étager. On sait qu'il y a une base arrière à Nîmes qui est très explosive et qui peut aussi tirer de loin. Oh, Agüero là qui vient réduire, non pas réduire le score mais égaliser. On n'hésite pas à sortir le carton en début de partie. Oui, c'est histoire de montrer haut là. Ouais. Jean-Jacques Agüero là qui est allé marquer. Un petit peu contre le cours du jeu. Ouf, le shoot de loin là, c'est magnifique. Risto Vujačić de nouveau. Ouf, alors ça c'est joli, la belle séquence avec ce but qui est offert. Même on le voit sur toutes les actions là. Oui, ça c'est un joli but là. Et vite Kachnik. Ouais. Oh là là, ça c'est bien joué. Est-ce que ça va être considéré comme une passe décisive? Je pense pas. Ouais, en tout cas là, Benjamin Gallego était extrêmement bien placé, le geste est parfait. Hein. Je vous rappelle hein, tout à l'heure à la mi-temps. Oh le but, ouais. Ah mais des chams, ouais, c'est bien joué, la petite passe dans le dos et le but magnifique. Ouf, ouais, Guillaume Crépin là qui s'est envolé. L'interception, oui. Il va y aller tout seul là. Et ouais, ce sera dedans tout en puissance. Jusqu'au... Ouh, la montée inversée. Ouais. Et Arthur Youn s'en va tout seul. Ce ballon là, ouais. Arthur Youn, c'est dedans. 2 sur 2 pour Arthur Youn. Quelques mois de repos. Et le but. Le but de Nîmes qui revient directement à un point. Cette première mi-temps, alors un petit peu particulier. Allez, le joli but là, c'est parti. Place au handball et Nicolas Boski. Sur le banc de Istres là, debout. Ancien international. Oh, ça c'est joli. Et voilà, on en parlait tout à l'heure, Vitka Tichnik. Et Luc Toby qui accélère, qui traverse tout le terrain, magnifique. Oh, ça passe sous les jambes là. Dans Kairos Samuel, qui est un jeune joueur du centre de formation de Nîmes. Donc il y a quand même 18 ans d'écart du côté de Nîmes entre l'arrière droit et l'ailier droit. Oh, beau le Schwenker, super. Et ça part dedans, ouais. Ça c'est bon, c'est dedans. On risque d'avoir une fin de match où il n'y a peut-être pas grand chose qui va se jouer. Oh, paire de balles, non, elle est encore récupérée. Et c'est dedans là, dans la lucarne. Et on fait jouer les jeunes du côté d'Istres là, avec plusieurs joueurs du centre de formation qui sont rentrés. Notamment, et le voilà le but de Vitko, Vitka Otichnik. Allez, essayer d'accrocher pourquoi pas un match nul, ça va être compliqué. Oh. Là surtout après ce but. Ce shoot exceptionnel, ce but magnifique, signé du numéro 38, Quentin Minel. Ouais, Quentin Minel qui fait aussi... Ouais. Et ben ça aussi c'est super joli là, bravo là. Oh oui, c'est dedans. Le but de Vitka Tichnik. Et voilà, et c'est terminé avec, eh bien, dans les bras de Vitka Tichnik, ce ballon, le ballon du match avec ce score de 32-27, victoire de Nîmes ce soir. Et toute l'équipe hein, qui vient ici saluer Vitka Tichnik qui termine ce soir une carrière incroyable, un CV monstrueux.